Allez au prochain niveau. Il monte par les conduits de ventilation. Non, attendez une minute. Oh, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils descendent. Niveau zéro, ils les ont tous tués. C'était voué à l'échec, mon cœur. Et le docteur le savait. Il a seulement voulu te sauver. Je refuse d'abandonner. Sors d'ici et ferme la porte. Papa n'aurait pas abandonné. Mais il n'est plus là aujourd'hui. Et même s'il était là, ce serait la même chose. Non, c'est faux. Je sais qu'il me dirait de tout tenter. Si je pouvais sauver la vie du docteur, il dirait qu'il faut essayer. Écoute, on ne le saura jamais. Si, moi je le sais. Je lui ai parlé. J'ai vu papa. Ne sois pas ridicule. Le docteur m'a fait revenir dans le passé. J'ai vu mon père. Ne dis pas ça. Rappelle-toi quand il est mort. Rappelle-toi, il y avait quelqu'un avec lui. Une jeune fille toute blonde à côté de lui, qui lui tenait la main. Tu l'as vu, même si tu étais loin, maman. Tu l'as vu. Réfléchis un peu. C'était moi que tu as vu, c'était moi. Ne dis pas ça. Et tout ça, c'est grâce au docteur. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Linda, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Il commence à descendre. La flotte est en train de bombarder tous les continents. L'Europe, le Pacifique, la nouvelle alliance américaine. L'Australie n'existe plus. C'est fini. Ceci est la perfection. J'ai créé un paradis sur Terre. Niveau 499, on est les derniers. Les balles devraient donner des résultats si on les envoie directement dans les yeux pédonculés des Daleks. Notre champ de force est au maximum. La puissance de feu des Daleks devrait être à son point le plus faible. Je suis là à cause de vous. J'ai rejoint ce programme parce que vous en faisiez partie. Est-ce que ça veut dire que lorsque tout sera fini, si on est encore en vie, on pourra sortir pour un verre? Avec plaisir. Ça va être dur d'attendre. On doit pouvoir tenter autre chose. Maman a raison. Peut-être qu'on devrait laisser courir et fermer la porte. Ça me plaît pas, ça. Non, ça me plaît pas que... tu te résignes à abandonner, pas comme ça. On a juste besoin d'un engin plus costaud que ma voiture. Quelque chose de plus gros, un peu dans ce genre-là. Bon, on l'a seulement jusqu'à 6 heures, alors il va falloir se dépêcher. Maman, où est-ce que t'as déniché ce truc? Chez Rodrigo, il me doit un service, ne me demande pas pourquoi. Bon, pour ton père, tu avais totalement raison. Il avait la tête pleine d'idées folles, et c'est exactement ce qu'il aurait fait. Alors dépêchons-nous avant que je ne change d'avis.